Hop. Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On fait un collier de la Dame du Hasard. C'est pour aller sur mon Feka Feu au dommage critique PVM. Donc là, l'idée, c'est de choper un exo dommage distance avec un exo PO. Et on peut négliger le retrait PM, puisque je joue aucun des sorts qui fait du retrait PM. Donc ni le glyphe enflammé, parce que je joue glyphe de perception, ni la léthargie, puisque je joue à l'atonie. Et comme c'est du GPVM, on prend la prospection. Contrairement au GPVP que j'ai fait habituellement. En revanche, on pourrait être un petit peu moins exigeant sur les stats secondaires et la vita, la sagesse. Pas forcément aller chercher du moins 1, moins 2 comme on fait pour du PVP. Mais voilà, donc là le G il est assez haut. J'avais l'invoque qui était tombé, j'essaie de la remettre. Ça a fait sauter le PR en échec critique, c'est un peu dommage. On a 71 depuis, donc c'est un peu mitigé pour cette première tenta. Il faut mettre la pas de crit en crit, hein, déjà ça c'est réglé. L'arracha moins 10. Je vais mettre triple painé, je pense, gentiment. Si ça veut bien. J'aurais pu tenter rainé aussi, hein, les deux étaient viables. Bah super. Ensuite j'ai fait nymphe avec la vita parce qu'il me faudra un over et il aurait fallu que je l'enlève. Ok, ça fait longtemps que j'ai pas FM. Bon, le G en soi est incroyable, mais là j'ai fait nymphe sur la. J'ai fait nymphe sur la gestion de l'over. J'aurais dû d'abord faire l'over vita pour récupérer l'over avec une painée. J'ai pas FM depuis plus d'un mois. En fait, ça fait un mois et quelques là, un mois et demi, voire 2 mois peut-être, que je fais plus de forge magie parce que l'interface elle a certains bugs et ça me rend trop fou en fait, j'en peux plus. Mais là, il faut qu'on avance sur les stuff PVM. Donc on va mettre une petite pas faux. Normalement, là je mets une rune prospe dans les cas là, mais. Hop, ok, on a le G qui tombe nickel, c'est bien. Donc on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On a moins 55. Il nous reste 6 depuis là-dessus. On ne va pas aller loin avec 6 depuis. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va remettre le retrait PM, je pense. Voilà, on a moins 4, il reste 2. Bah, GG à tous. Est-ce qu'on a le PA? On va peut-être mettre d'abord l'invo. On n'a pas l'invo. Ok, deuxième pu PA pas longtemps après. C'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. On a 90 depuis là-dessus. On va mettre gentiment les pachas maintenant, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, moins 15. On va mettre les res. Ah, j'avais pas vu les deux crits. On a moins 12, les dommages. J'avais pas vu les deux crits. On a moins 15, il reste 48 là-dessus. On va mettre une rune prosp. Ah, et les deux crits, ça me met au fond. Je pense du coup, on va faire une tenta ambitieuse. On va faire du 3% de dommage distance. Voilà. Pas de PA. 91 depuis, on va go. Ravi. Ok, ça passe direct, je suis ravi. On récupère l'over, ok. On va go full painé, je pense. Non, peut-être d'abord double do crit. Faut monter à 19. Là, l'item est pas trop chargé, ça passe encore à peu près. On a le moins 20. Là-dessus, il me reste 60. On va mettre. Est-ce que j'ai over ou pas? Est-ce que je rainé? En soi, je pense pas qu'il y ait besoin. On va go double pas, moins 3. On va go pas de crit, le crit. Et là, ça va être pas de crit. Ok, ça fait très très mal, moins 30. Avec rachat, moins 10, painé, moins 3, moins 13. Bon, là, on pourra pas choper, je pense, de 2D naturellement. 0 de puits, il manque un de fuite et un de prosp pour que ce soit sympa. On n'a pas le P1. 97 de puits. Bon, là, faut passer la ravie. Oh, c'est dur de faire un over comme ça. Bah oui, hein. Petite rune faux qui crit, d'accord. J'aurais préféré crit la ravie à choisir, mais. Bon, le crit, pas de crit, ça me va aussi. Moins 29. Bon, là, ça va être technique, là. Après, le reste est bien. On va go, il faut des grosses runes, là. Moins 10. Qu'on bourre la pacha. Il me reste 28. Non, je pense que je vais go rachat. Faudrait qu'elle passe, non, moins 10. Pacha peut-être.
Moins 6. Ah, 6, ça fait de la peine. Il reste 12. Il aurait fallu que ça passe direct pour que j'ai ma tenta d'Audi. Ok. 12, là j'ai 13 avec ça, ça passera pas. La fuite, moins 3. Il me reste 9. Bah 9, c'est 3 tentes à pavie. Le PA. On a le PA. Bon, bah c'est pas ce que j'aurais voulu. J'aurais voulu l'avoir en... Enfin, en fait, ça me va concrètement. Je suis vraiment très attentif, voilà, comme c'est pour du PVM, mais j'estime qu'en PVM, il faut toujours taper le plus fort possible. Et que le reste, après, on s'arrange. Et du coup, je peux être OK pour qu'il me manque un peu de vita, un peu de sagesse. Voire même de la fuite ou ce genre de caractéristiques secondaires, je pense que je peux me permettre de les négliger un petit peu, genre qu'il me manque un sur un item, c'est pas catastrophique. En revanche, sur les stats, je veux tout le temps du perf sur tout ce qui est offensif, tout le temps. Donc on va mettre une trans là-dessus. Et voilà, et donc comme il me faut un PO en fait dans l'idéal, on refera plus tard, et c'est comme ça que je ferai tout le temps, en fait c'est comme ça que je fais tout le temps pour les items sur lesquels je veux un exo dommage distance plus PO ou un truc dans le style. C'est, je m'en fais un, et ensuite j'en refais un deuxième pour vraiment tryhard les tentes à PO. Mais là, temporairement, ça m'en fera une pour jouer. C'est bien Dodi, hein. Je vérifie quand même sur mon tableur. Amulette Dodi PO. Voilà, j'ai calculé avec les runes trans, on pourrait transcrit aussi là-dessus. Mais le Dodi est plus rentable. Et voilà! Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo Forge Magie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Et je me fais MP par les modos à cause du retrait PM. Je suis sûr qu'il doit y avoir une commande de modérateur, genre slash mod add retrait PM, non? Ça marche ça ou pas? Bref. Tentative ambitieuse de crit rune repou sur une magnifique cape du Valet Vénard. Moins un vita, moins un repou. Si on peut passer ça, ça change complètement la valeur de l'item. Est-ce que ça crit? Ça ne crit pas, dommage.